L'alerte, pour moi, c'est peut-être l'expression la plus immédiate de ce que c'est qu'être un être humain. C'est se sentir solidaire des autres, constater, être témoin de quelque chose qui nous atteint tous, et prendre des risques personnels pour le collectif, pour l'ensemble des êtres humains que nous sommes. En tant que députée européenne et chargée de proposer une protection pour les lanceurs d'alerte au niveau européen, pour moi, ce salon, c'est l'occasion de rencontrer des lanceurs d'alerte, de connaître la réalité de leur vécu, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés, les menaces dont ils sont l'objet, et du coup de proposer la meilleure protection possible. Parce qu'une alerte, c'est avant tout une parole, on a besoin aussi de lui donner une substance. Sans doute pour les lanceurs d'alerte, ça passe par le livre, et puis pour nous, les élus, passer à la lettre, c'est aussi passer à la lettre d'un texte qui protège effectivement les lanceurs d'alerte. Et c'est l'objet du rapport que je défends en parole.